Il n'a pas besoin de milliards, de personnes, mais il a besoin de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Quel que soit le nombre, aussi petit que, nous pouvons être, le Seigneur, ce qu'il agrée, c'est lorsque on élève vers lui notre voix, notre prière dans la sanctification. Alléluia. Amen. C'est pareil, lorsqu'il disait tout à l'heure que c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Nous ne pouvons que lui rendre grâce encore. Tout s'est bien fait. De ce que le Seigneur, aussi petit que nous sommes, aussi peu que nous sommes, nous a retiré du monde. Alléluia. Amen. Il nous a retiré du monde pour nous envoyer dans sa glorieuse lumière. Il nous a retiré du monde pour nous emmener dans la saine doctrine. Il nous a retiré du monde pour nous emmener vers le chemin. Le chemin qu'il a dit, le chemin est étroit. Alléluia. Ce chemin qui est difficile. Mais grâce à lui, grâce à son esprit, nous allons prendre ce chemin jusqu'au bout. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Le Seigneur, même la dernière fois, n'a pas manqué de nous dire que lui, il sait que c'est difficile. Mais il faut qu'on soit certain qu'il ne va jamais nous abandonner. Amen. Parce que, bien aimé, il n'y a pas plus fidèle que le Seigneur. Il n'y a pas plus fidèle. Si moi, j'ai quitté ma maison, que je suis venu jusqu'à ici pour venir adorer, pour venir prier encore, ce n'est pas en vain. Amen. C'est parce que je sais qui je suis venu pour. Amen. Alléluia. Si tu as abandonné ta maison, tu es venu ici, tu as payé transport, venu ici. C'est pas un vain, c'est parce que tu sais c'est qui tu es venu adorer. C'est parce que tu as cru en lui. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as cru en lui. Et tu sais qu'il peut tout faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé encore, on se soit encore, on se joue encore. Nous allons faire comme d'habitude encore. L'adorer, le louer, danser. Comme lui-même il le veut. Alléluia. Amen. Je vais rappeler qu'un jour encore, un jour on était à la veillée à Bassabo. Ce jour-là, j'ai regretté amèrement de tout mon esprit, de tout mon cœur. Et je ne sais pas si j'étais ce jour-là là-bas où il a commencé à pleuvoir. Et étant donné qu'il pleuvait, nous nous sommes retirés pour nous abriter. Mais ceux qui étaient sous la pluie ont dansé étaient un peu nombreux. Quand j'étais sous la bâche, quelqu'un me disait, va danser, va danser. À cause de la pluie, tu ne veux pas danser. Attends, il y a un autre coach qui me disait, mais tu vas attraper maladie, tu vas attraper froid, tu vas tomber malade. Mais malheureusement, cet autre esprit-là a gagné. Alléluia. Et quand le Seigneur a commencé à parler, vraiment, ça m'a grondé juste là. Quand on implorait la grâce du Seigneur, le Seigneur a dit qu'il fallait que je gêne tout cela. Quand j'ai dit cela, le Seigneur maintenant m'a pardonné tout cela. Ça m'a tellement touché. C'est pour ça, jusqu'à présent, j'ai dit rien. J'ai mis dans mon cœur que rien ne pourra. Peut-être je suis malade, je suis couché, je ne peux pas bouger. Ou même c'est le travail. Mais rien ne pourra m'empêcher de venir adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quel que soit, s'il y a la tempête, s'il y a la pluie, ça ne peut pas m'empêcher de venir adorer le Seigneur. Amen. De même aujourd'hui aussi. Aujourd'hui encore, ne peut pas m'empêcher encore de danser. Alléluia. Gloire à Jésus. On est tous venus pour adorer. On est tous venus pour louer. Alléluia. C'est pour cela. Ta foi. C'est pour cela, bien-aimé. On va commencer par des chants. On va commencer par danser. Là. On va commencer par louer le Seigneur. Et laissez-moi vous rappeler encore que le Seigneur dit, il siège dans la louange. Alléluia. Amen. Donc, dès que tu commences à danser de tout ton cœur, de toute ton âme, le Seigneur même commence déjà à descendre. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi, lorsque le frère Emmanuel va donner les chants, c'est lui ici qui va donner sur le guide. Des louanges. Amen. On va danser quand même. Amen. Alléluia. Le Seigneur regarde tout cela. Il regarde tout ça là. Il regarde tout ce qui se passe à côté. Est-ce qu'à cause de la pluie, est-ce qu'à cause du froid, mes enfants ne vont pas danser? Est-ce que parce qu'on n'est pas nombreux, mes enfants ne vont pas danser? Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'enlever. Le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vainqueur. Ah, viens avec ça, donc. Le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume. Son royaume est vivant. Son nom est de tout. Alléluia. Je vais regarder. Tout le monde passe en route. Tant que vous ne faites pas, qu'on dit aujourd'hui, elle va avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne sur les bancs, tout le monde au milieu. Amen. Va louer Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est roi. Le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est roi. Son royaume. Son royaume est si grand. Son nom est le Dieu tout-puissant, le merveilleux conseiller, le grand sauveur. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume. Son royaume est si grand et roi. Son nom est le Dieu tout-puissant, le merveilleux conseiller, le grand sauveur. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume. Son royaume est si grand et son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le Saint-Esprit. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le Saint-Esprit. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, oui, son royaume. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le Saint-Esprit. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, oui, son royaume. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le Saint-Esprit. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le Saint-Esprit. Il est roi, il est
Jésus bénit,
Jésus-là, tu es sûr que dans ton cœur tu le dis. Amen. Parce que ça ne sert à rien de le dire de la bouche. Si c'est ça, vous êtes déjà sur la Alléluia. Amen. Si dans ton cœur là, tu sais que à cause de tes difficultés, tu ne veux pas laisser, à cause de Satan, tu as laissé Jésus-là, quand tu t'assois sur la puce, c'est mieux. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Parce que pendant que j'étais entre les chanteurs, je me disais que beaucoup de personnes disent, je ne peux pas laisser, je me dirais que là, ils ne sont pas témoins de ça. Tu le dis parce qu'il faut le dire. Tu le dis parce que tes frères sont très chers, en fait. Mais que dans ton cœur, tu es sûr que tu ne peux pas laisser Jésus. Amen. Tu es sûr que dans ton cœur, tu es sûr que tu ne peux pas laisser Jésus. Amen. C'est ce qui est dit, amen, maintenant. Mais dans ton cœur, là, est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas laisser Jésus? Amen. Tu es sûr que tu as l'envie de t'excuser.
on va te mettre un pistolet tout à l'heure, dit Jésus, pour la mort. Tu es sûr que tu vas choisir Jésus. Amen. J'ai dit, redis. Vous avez répondu, oui. La semaine qui va se tuer, vous allez être examiné. Vous voulez Jésus, non? Vous allez dans le passé, vous avez persécution. Mais cette semaine-là, votre lui qui est sorti de votre bouche, c'est la tenue comme ça. Amen. Cette semaine qui a commencé là, il va vous examiner. Non. Et je vous le dis en vérité, je déclare que tous ceux qui vont rester fermes là, à la fin, ils vont nous comprendre. Alléluia! Jésus! Je ne suis pas un des parents qui font tout quelqu'un, même de terre, je ne suis pas un désanimé. Mais c'est une chose qui vient la vérité. Parce que bon nombre de personnes sont à Jésus, je ne pense que c'est un effet de mousse. Bien des faits de mousse. Je suis à Jésus, je veux. Tu as Jésus revient, tu crois. Tu traites les autres d'avoir l'âge. Tu traites les autres de comme ci, de cela. Mais elles n'ont pas Jésus, hein. Ils ne sont pas de la vérité. Ils pensent qu'ils sont de la vérité, mais ils le font mieux. Mais toi, tu es ici, là. Ton cœur, là. Tu traites ça comment? Tu sens, je ne peux pas laisser Jésus. Pourtant, dans ton cœur, là, tu ne le vis pas. Bien aimé, lorsque Jésus va venir, tu vas te rappeler. Tu as chanté, je ne peux pas laisser Jésus. Tu as lancé fire au cul là-bas. Tu vois que tu faisais là. On dit non, il est phasé pour Dieu. On se couche. Parce que tu vois les gens se couchent, toi tu te couches. Parce que tu vois les gens s'asseyent par terre, toi aussi tu t'assois. Pas parce que tu as envie de le faire, hein, mais parce que les autres le font. Quand tu fais la masse, c'est bien le message que j'ai juste de voir. Quand tu seras dénoncé ce groupe, on doit produire l'esprit. Ce que l'homme sème en lui, il colle. Mais je ne mords pas de Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Je crois à l'ouange pour interpeller ce qu'on dit. Dès maintenant, laisse ton sujet. Si tu es malé, là, tu peux sortir de ton cœur. Tu sais que ça ne sort pas de ton cœur. Va dans l'église, c'est la pleure. Va rester sur ma chaîne. Va dans l'église. Là, tu vois, ça va bien. C'est là. Elle se bat sur le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que c'est rentré haut. Amen. Moi-même, la parole du Népi a double chance. La même, il y a un bout qui vous tranche là. Il y a un bout aussi qui tranche. C'est pour moi aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Amen. C'est pour tout le monde. Enfant, comme adolescent, comme adulte. Même toi qui es derrière la caméra, c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lui prendre du sang. Je ne veux pas laisser. Tu vas chanter avec tes mains. Tu vas prendre des coups cassés. Avec notre Dieu, c'est pas Dieu de quelqu'un. C'est pas camarade de quelqu'un. Le Dieu qui a travaillé avec Abraham, celui qui a travaillé avec Isaac, avec Jacob, nous péchons dans l'allégie. Puis il vient descendre au milieu. Toi, tu dirais que tu t'amuses avec lui, c'est ton camarade. Est-ce que Dieu a son camarade? Faut t'imaginer un peu. Lorsqu'il était avec Moïse, lorsque les gens péchaient, regardez la tête, paf, il descend dans la tête. Mais toi, nous tous, nos nombreux péchés, des sommes de vie, même sans le dédiger. Pense que c'est parce qu'il ne veut pas nous consumer par ce jour. Nous, son petit, quand il reste, son amour qui reste là, on va jouer avec ça. Dis, mais si tu ne fais pas attention à ta vie, si tu ne fais pas attention à ta vie, Dieu a le moyen de dire, je vais vous raconter un témoignage quand on a commencé. J'étais en train de prier. J'ai laissé mes frères à la maison, je suis en train de prier. Je me suis retiré mes mains. Et il y a une sœur qui, malgré les prières et tout ça, il y a des esprits encore arrivés à venir la fatiguer. Donc, lui vient, c'est son patron, tout ça, c'est là, combat. Mais Seigneur, qu'est-ce qui faisait contact? Qu'est-ce qui fait contact? On a brisé une qu'elle est fatiguée. On a démoli, on a cassé tout. On a mis power, on a mis feu, tout. Mais zéro. Ils vont, ils reviennent. Ça cesse, ça revient. Mais qu'est-ce qu'elle le pour le contact? Il est même. Ton nom que tu crois de le passer, est-ce que le bien peut dire? En réalité, là, c'était son nom qu'elle protège dans le passé. Tu dois fouiller peut-être le lien n'a pas été bien. Donc, avec ça, il s'appuyait sur ça pour venir là, taquer. Amen. Mais, quelque chose m'a choqué. J'étais en train de prier, puis j'ai demandé au Seigneur, papa, mais qu'est-ce qui faisait que ta Seigneur, toujours ils ont point l'attaque, bien attaqué. Et le Seigneur me dit comme ça, mais, que je l'ai révélé, ça lui est. Alors, j'étais au jour suivant. Je l'ai révélé ça hier. Je lui ai dit que c'est son nom qui fait le combat. Moi, je me disais que peut-être elle a dormi en songe et puis Dieu lui a montré ça. Bien aimé, c'est rien de ça.
Mes frères étaient en train de parler par hasard comme ça. Il dit, mais pendant la messe, ça suffit pas, t'as mal et je vais mettre pour voir. En tape, on voit que le Seigneur nous dit. Seigneur nous sirène. Vous êtes très récemment éveillé dans la vie. Alors que c'était le nom d'une sirène, tu as donné Dieu dans ce qu'il a dit. Est-ce que tu as donné Dieu dans ce qu'il a dit là? La même avec tes poumons, tu parles comme ça avec tes frères. C'est comme ça qu'il était en train de parler. Mais le Seigneur m'a dit là-bas que il les est revenu. C'est-à-dire quoi? Elle pensait qu'ils étaient en train de parler par eux-mêmes. Mais c'est le Seigneur qui a quitté les parents. Jusqu'à ce que ça sorte. C'est pour dire quoi? Dans les moindres détails. Alléluia. Dans les moindres détails. Amen. Quand tu marches, tu parles, tes pensées tu as là. Jésus, il est là que les parents me disent. Hein, c'est ce qu'il fait. Hein, je vois ce qu'il fait. Hein. Dans les moindres détails. Donc toi qui as dit que non, je vais faire ça pour se fatiguer. C'est parti. Maudit soit celui qui fait le degré avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Fire,
sa puissance. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché par son onction. Jésus m'a touché par sa grandeur. Je sens le feu, 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 je sens le feu. Jésus est là, 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 Jésus est là,
est là, Jésus 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 est là, là, sa présence est là, son feu est là, la main est là, oh il est là, la main est là, oh il 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 est là, dispose-toi encore. Alléluia. Amen. Qui est ici qui met sa main comme ça? Alléluia. Amen. Qui est là? 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 Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. On va rentrer en mode combat maintenant. Mais avant ça, tu vas te répondre. Alléluia. Amen. Hier dimanche, tu le sais très bien. Il n'y a pas d'étonnant. Je ne veux pas te laisser. Ton mec, il sait que dans ton cœur, là, bien quand tu peux te faire la louange, bien quand tu peux te faire ta repentance, là, tu n'étais pas sincère. Tu le sais, lui ou non? Tu sais ça, non? Toi-même, dans ton cœur, là, tu le sais. On le sait. On se connaît. Aujourd'hui, là,
tu sortais, tu as traité quelqu'un de Jézabel. Nous fermons Jézabel. Donc toi, tu es trop mieux, quoi. Tu oublies que toi, hier, là, tu étais dans une poubelle, puis Dieu t'a ramassé. Alléluia. Amen. Tu passais, tu as vu un homme qui a fait pêche. Tu l'as insulté, tu l'as parlé mal. Il est là-bas. Il a même dit, ils se sont perdus, même. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit sauvé? Tu dis, il est perdu, tu laisses Jézabel, puis tu la laisses partir. Attends. Elle a Dieu là-bas, Dieu l'a pas créé aussi. Elle n'est pas enfant de Dieu aussi. Quand tu passais, tu as vu qu'à ce dit, c'est depuis lui pas du Seigneur. Tu allais mourir, son problème. Tu as fait ce qu'elle veut. Et puis tu dis des paroles comme ça. Et puis ça te fait rire. Mais toi, tu n'as pas compassion aussi. Mais quand piquait ses yeux, tu penses que ça s'appuyait. Tu penses que ce n'est pas à cause de la personne là aussi que Jésus est mort. Et tu lui as parlé comme ça. Bien aimé, tu étais là. Tu as commencé à penser à ton avant. Bon, il était mieux. Non, il y a avant, hein. Non, c'est vrai. Sinon, c'est vrai, je vous m'excuse, mais il y a avant, même, c'est vrai, j'étais mieux. Tu as commencé à douter en Jésus. Bien aimé, tu as douté en Jésus. C'est comme si moi, ici, milliardaire, je disais, je donne l'argent. Tu m'as demandé, viens te donner. Elle me dit non, elle me dit la même chose. Elle les capte. Et bon, est-ce qu'il va me donner? Pourtant, tu sais très bien que. Gars, c'est un milliardaire, il peut te donner l'argent. Mais tu commences à dire, est-ce que c'est pas une insulte? Est-ce que c'est pas une insulte? Maintenant, Dieu va prendre ça comment? Attends, ma fille là-même, est-ce que je suis? Moi, j'ai travaillé avec Abraham. J'ai travaillé avec Isaac. J'ai travaillé avec Jacob. Tes papas, j'ai travaillé avec eux. Pas petit comme ça, là. Tu doutes en moi. Tu as douté en Jésus. Tu vas te repentir pour le sang. Alléluia! Amen! Tu as eu des pensées impures. Bien aimé, tu vas commencer à te mettre à genoux. Tu étais là, à faire des garçons à commencer à venir dans ta tête. À faire des rapports à commencer à venir dans ta tête. Bien aimé, tu vas commencer à demander pardon à chaque jour. Toi, parent, tu as insulté ton enfant. On n'a pas de ne pas traiter tes enfants, de ne pas enseigner. Mais tu l'as insulté. La Bible dit, enfant, obéissez à vos parents. Mais la Bible aussi dit que parents n'évitez pas les enfants. Mais toi, maman, tu insultais ton enfant sur la bête. Tu lui as dit des paroles blessantes. Maman, demande pardon à Jésus. Pendant que tu marchais là, tu as commencé à combattre les sorts du monde. Réponds-toi. Bien-aimé, supplie le Seigneur Jésus. Supplie le Seigneur Jésus. Tu t'es plaint de ta situation. Tu as dit que Dieu t'a abandonné. Tu as dit que c'est Jésus que je prie la main. Il est où même? Tu as fait les regarder. Nous pouvons le juste dedans. On va donner pardon aussi. Bien aimé, demande sincèrement pardon à Jésus. Toutefois, tu as calomnié. Tu as parlé mieux, bien aimé. Tu as parlé mal. Tu as parlé mal. I'm going to go to the hospital.
Ne me laisse pas ton assistance, Seigneur. Oh, ne me donne pas l'eau de pas de pas. Ne me laisse pas ton assistance. Oh, ne me donne pas ton assistance. Chaque seconde de votre vie. Chaque seconde de votre vie. Chaque minute de votre vie. Ne me laisse pas ton assistance. Chaque fois de vie, Seigneur. Chaque fois de nos soutiens. Chaque fois de nos chrétiens. Tu la tête des vivants. Le roi de pas de vie. Châtie-moi, Seigneur Jésus. Puis de ma personne. Prochaine, tu me vois pas tu veux choisir parmi les aveugles, après tout puissant, va travailler ma personne et les aveugles voient clair. Seigneur, toi qui veux faire que les aveugles voient clair, fais l'attacher les feux sur le canapé, les chiens qui sont bénis, les chiens qui sont bâtés, les chiens mondains, les gens, je dis oui, mon cœur. Le roi n'est pas sur moi, mon cœur, efface ma personne sur la tête de la vivante. Laisse-moi, Seigneur Jésus, supprime ma personne, foudre pas tant de froid. Seigneur Jésus, ne foudrais que tu sois de la tête de la foudrais pas que la femme en soi, mais que je crois, assis sur ton trône de gloire, en avant ta voix, à travers ta personne, le roi n'est pas sur moi. Efface-moi, Seigneur Jésus. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. J'ai mis son de toi, les derniers des hommes. J'ai dit tous les jours de ma vie. Les derniers des hommes. Après la mort, j'ai pris ce diamant. Après la mort, je ne savais pas. Ne pas le feu. Les derniers des hommes. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Depuis le jour de mon naissance. Tout comme ce jour. Les derniers des hommes. Et que j'avais vu de mon père. Que je n'ai pas de pas. Le roi de moi, c'est que j'attends aujourd'hui. C'est que je vois, je vis. Si j'avais attendu ça avant moi, si j'avais vu ça avant moi, le roi de moi est dans le peuple de comprendre comme ça. Je pardonne de tout le monde, le plus profond de ma cœur, mes frères et soeurs, quoi je choisis, à 60 personnes, je pardonne tout le monde, le plus profond de ma cœur, les années de mes amours, je ne peux pas sortir de mon Dieu, pas Emma, parce qu'il m'a la vie, les gars, il m'a la vie, les gars, pardonne-moi, pardonne-moi. Jésus. À toute fois que j'ai compris
Aujourd'hui là, sont des mandats d'accusation contre nous. Qui est l'aimé va demander spécialement pardon à Dieu pour ce que ta mère a pu dire quand elle est enceinte de toi. Pour ce que ta mère a pu faire lorsqu'elle est enceinte de toi. Je vais lever la voix. Si tu t'es bien aimé, si tu ne parles pas, si tu ne plaides pas pour ta cause, bien-aimé, ce jour va passer. Ce jour va passer. Demande pardon à ces gens. Demande pardon à ces gens. Lorsque ta mère est enceinte, quand tu es né là, tu étais enfant.
tu es devenu adolescent. Tu es frappé. Lorsque tu étais adolescent, j'entends ou adolescente, frappé. Laisse-moi bien aimé, tu avais papa, maman. Laisse-moi tranquille. Tu as volé l'argent de ton papa. Il t'a donné la vie pour laver, tu as volé. Tu as pris l'argent, tu as vu l'argent que tu as pris. Tu allais dans la cuisine. Manger n'était pas pour toi, c'était pour ton frère, tu as mangé. Bien aimé, tu étais à l'école, au primaire. Tu as pris craie de ton ami. Tu as pris sa craie. Parce que tu te dis que c'est ton ami fidèle. C'est ton meilleur ami. Et tu as pris sa craie. Tu as pris son pic. Tu as pris sa règle. C'est pas que tu ne l'as pas donné, mais tu as oublié. Bien aimé, devant Dieu, c'est un vol. Tu vas demander pardon à Jésus. Pour ta vie d'adolescent, ce que tu as fait, tout ce que tu te rappelles, demande pardon à Jésus, ce que tu ne te rappelles pas. Demande pardon à Jésus. Pendant que tu étais adolescent, tu étais à l'école, tu as pris la craie de ton ami, tu as pris sa règle, tu as décidé de faire son cahier, tu n'as pas demandé ça. Bien-aimé, demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Ne te tais pas. Tu as pris l'eau de ton ami. Sa goutte était déposée. Tu n'as pas demandé. Tu as pris sa goutte, tu as pris son eau. Bien-aimé, demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Tu n'as pas demandé. Tu ne lui as pas demandé, bien aimé. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à l'ami fidèle. Demande pardon à l'ami fidèle. Tu étais au collège. Tu as calomnié. Bien aimé. Tu avais association de groupe de filles. Tu allais calomnier. Bien aimé. Tu as triché. Demande pardon. Rappelle-toi, très bien. Et demande pardon à Jésus. Tu avais des goûts et des gars. Demande pardon à Jésus. Pour tes péchés de l'adolescence. Et lorsque tu es enfant. Ta maman t'a envoyé. Tu as brouté contre elle. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Elle t'a envoyé. Tu as dit à ta maman que tu ne vas pas. Tu as bougé. Bien aimé. Reprends-toi. Reprends-toi. Ô Éternel. Alléluia. Tu vas demander pardon à Jésus. Tu as dépassé ça, adolescent, tu es devenu adulte. Moi, tu es encore dans adolescent. Tu vas encore demander pardon à Jésus. Toutefois, tu t'es masturbé. Parce qu'en réalité, il y a des repentances que tu as fait, mais tu oublies. Regarde,
pendant que tu seras en train de te repentir, tous ces mandats, tous ces liens qui donnent possibilité au diable d'agir dans ta vie, regarde, ces liens vont être rompus. Mais bien aimé, si tu ne le fais pas sincèrement, ce temps va passer. Alléluia! Amen. Tu vas encore demander pardon à Jésus. Lorsque tu entres maintenant à Jésus revient, ce que tu as fait dans le passé avant d'entrer à Jésus revient, avant de connaître la vérité, même si tu l'as déjà fait, tu vas encore demander pardon à Jésus. Les mains sont montées, les guines ont porté, les pornographies ont regardé. Tu vas demander pardon à Jésus. Pour les calomnies du passé, les critiques du passé, demande pardon à Jésus. Pour les moqueries du passé, demande pardon à Jésus. Pour les insultes du passé, demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Oh, Dieu. Je rappelle encore, si tu ne fais pas avec toi, le temps d'aujourd'hui va passer. Je ne veux pas qu'à chaque fois qu'on parle, on est obligé d'appuyer des choses pour que tu tiens à cœur. Est-ce que tu n'es pas conscient de ton salut? Toujours en parlant, appuyer sur la chose. Bien aimé, est-ce que tu n'as pas conscient de ton salut? On va parler, on va reprendre. On va dire, sois disposé. On va dire, sois ça. Bien aimé. Est-ce que tu n'es pas conscient du paradis? Alléluia. Amen. À chaque fois qu'on prie, on fait pause et discret. Bien aimé. À tout moment, mais moins du temps, le Seigneur il regarde ce qu'on fait. Alléluia. Amen. On va réclamer le sang de Jésus. On va se lever tous. Alléluia. Amen.
va demander au Seigneur Jésus de répandre encore son sang. On va reprendre le même mot encore. Quand tu étais dans le vent de ta mère, répandant ce que tu as fait à cause de ça, là, tu vas demander au Seigneur Jésus qu'il fasse couler son sang. Qu'il fasse couler son sang. Vous l'avez cela. Je dis en vérité, si tu as négligé ce moment et que tu allais dormir aujourd'hui, qu'aujourd'hui là, Jésus devait appeler ton âme là, bien aimé, tu n'as pas dit si je savais où. Parce que ce qu'on fait là est capable aujourd'hui là de laver ta robe de justice. Amen. Si tu négliges, si tu négliges ce qu'on fait, bien aimé, tu vas le regretter. Amen. Amen. Tu vas demander le pardon, tu vas demander au Seigneur Jésus. Je fais couler encore sur ça. Tu vas répéter après moi. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Alléluia. Ferme les yeux pour ne pas être distrait. Hey. Si tu es distrait, bien aimé, ce temps va passer. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur Jésus est là. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Bien aimé, ne sois pas distrait. Tu vas demander au Seigneur Jésus. Tu vas commencer à te remémorer. Quand ta mère t'avait au ventre là, il y a des choses qu'elle faisait. Il y a des pratiques qu'elle faisait encore. Et puis aujourd'hui là, tu n'as pas bien fait l'importance là. Dans le passé. Et puis ça règne encore. Mais comme tu t'es repenti, la Bible déclare que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Alors qu'on se repent pour avoir le pardon, toi tu vas réclamer le sang de Jésus. Que le péché que ta mère a fait, qu'elle a eu, c'est idolâtrie, c'est mensonge, c'est quoi, qui t'influence encore aujourd'hui, là. Tu vas demander au sang de Jésus de laver ça. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bien aimé, c'est pas parce qu'il n'écrit pas, tu as dit que non, c'est pas. Fais-le avec ton cœur. Si tu le fais au bout de tes lèvres, c'est pour toi, ce bien-aimé. Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit pour toi, c'est pour nous tous. On doit participer à tout ça pour aller au paradis. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-le avec ton cœur, bien-aimé. Ne s'agit pas de crier seulement, mais fais-le avec ton cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui connaît tout. Tu es le Dieu qui connaît tout. Et depuis le vent de ma mère. Et depuis le vent de ma mère. Il y a des choses. Il y a des choses. Que ma mère fait. Que ma mère a fait. Il y a des choses. Il y a des choses. Que mon père a fait. Que mon père a fait. Qui aujourd'hui. Règne sur ma vie. Règne sur ma vie. Qui aujourd'hui. Influence ma vie. Influence ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La Bible dit de toi. La Bible dit de toi. Que tu es le père de la miséricorde. Que tu es le père de la miséricorde. La Bible dit de toi. La Bible dit de toi. Que tu es le père de la miséricorde. Que tu es le père de la miséricorde. La Bible dit de toi. La Bible dit de toi. Que tu es le père de la miséricorde. Que tu es le père de la miséricorde. La Bible dit de toi. La Bible dit de toi. Que tu es le père de la miséricorde. Que tu es le père de la miséricorde. Et à la croix. Et à la croix. Tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais couler ton sang. 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 Pour me laver. Pour me laver. Pour me purifier. Pour me purifier. De tout péché. De tout péché. Que ma mère. Que ma mère. Que mon père. Que mon père. En commis. En commis. Lorsqu'ils étaient enceintes. Lorsqu'ils étaient enceintes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Comment ça prie? Comment ça prie? Comment ça prie? Seigneur Jésus. Je crois le sang de Jésus.
acclame le Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je le répète encore. Toi qui prends ce moment à la légère. Toi qui prends ce moment au bout de tes lèvres. Sache que tu es en train de rater quelque chose. Prends ce moment au sérieux. Sois disposé au maximum. Ne sois pas distrait. Tu vas encore réclamer le sang de Jésus. Lorsque tu es, ta main est enceinte de toi, tu es né, tu es enfant, tu es bébé, elle s'est lavée avec toi. Tu ne savais pas, tu as vu sa nuit. Alléluia. Tu as grandi, tu allais au primaire, tu allais à l'école, tu étais petit. Tu es arrivé au collège. Tu arrives à l'âge adolescent. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Jésus. Qu'il fasse couler encore son sang. Lorsque tu étais adolescent, lorsque tu étais bébé, tu étais enfant, tu vas demander au Seigneur Jésus de répandre encore son sang pour te purifier de tout péché que tu as fait dans cette période-là. Bien-aimé, si tu veux une église, si tu le fais à l'âge de m'en fous, bien aimé, tu vas rater quelque chose. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter après. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lorsque j'étais enfant. Lorsque j'étais enfant. Lorsque j'étais bébé. Lorsque j'étais bébé. Lorsque j'étais adolescent. Lorsque j'étais adolescent. Il y a eu des choses que j'ai faites. Il y a eu des choses que j'ai faites. Il y a des actions que j'ai commises. Il y a des actions que j'ai commises. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'étais ignorant. J'étais ignorant. Mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait. J'étais ignorant. J'étais ignorant. Mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Que ça blessait ton cœur. Que ça blessait ton cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur. Tu m'as montré la vérité. Tu m'as montré la vérité. Et je veux que. Et je veux que. Tu fasses couler ton sang. Que tu fasses couler ton sang. Pour me laver. Pour me laver. De tout ce que j'ai fait. De tout ce que j'ai fait. Pendant cette période. Pendant cette période. Fais couler ton sang. 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 Comment ça finit? 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 Comment le Seigneur Jésus. Je me lave. Je répands ce sang. Tu te laves avec mon péché. Que ce sang coule sur toi. Tu te laves. Tu te laves. Tu te purifies. Lave ta robe de justice. Lave ta robe de justice. Je me suis lavé avec ma maman. 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 Je me su
je fais tout ce que je veux. Je connais toutes les choses. Je me marie avec toi. 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 Fais tous les ton sang, Seigneur. Fais tous les ton sang, Seigneur. Fais tous les ton sang, Seigneur. Que ton sang puisse s'éancer. Fais tous les ton sang, Seigneur. Viens laver les têtes. Viens laver mon âme. Je te donne la parole. C'est toi pour lui, Seigneur. Je te donne la parole. Règle par la justice maintenant, Seigneur. Règle par la justice maintenant, Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux encore demander pardon au Seigneur Jésus. Fais couler son sang. Bien, mais reste encore disposé. Tu as grandi. Si je peux dire, tu arrives à l'âge adulte. Ou toi qui es encore enfant. Tu as plein de la sainte doctrine. Tu as connu la vérité. Mais malgré ça, tu calomniais. Tu étais jalouse. Tu étais jaloux. Tu étais hypocrite. Tu faisais l'hypocrisie. Quand on donne prophétie, tu dis non, ça ne vient pas de Dieu. Quand on prophétie, au lieu de discerner, tu tombes dessus, tu dis non, celle-là ne vient pas de Dieu. Celui-là ne vient pas de Dieu. Ce qu'il dit, mais c'est quoi? Bien aimé, personne ne lui donnait parole. Tu contestais. Tu es rentré à Jésus, reviens. Il y a des choses que tu as faites. Tu t'es repenti. Mais comme la Bible déclare que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Je veux encore demander au Seigneur Jésus de faire couler son sang. Afin que, si tu négliges cette étape qu'on va faire tout à l'heure, tu as Jésus revient. Tu es dans la vérité. Si tu as négligé cette partie, bien aimé, et puis tu as connu la vérité, mais malgré ce qu'on t'a dit là, tu as boudé quand ta mère te parlait. Ta mère parle deux, tu parles trois. La Bible déclare que l'enfant obéit à vos parents. Ta mère t'envoyait, tu boudais. Tu dis non, je suis trop fatigué, tu ne partais pas. Toi, maman, toi, parent, la Bible dit n'évitez pas vos enfants. Mais tu insultais ton enfant. Tu as parlé mal. On n'a pas de pas crier, on n'a pas de pas le tapis. Mais fais-le selon la sainte doctrine. Mais tu l'as insulté. Pourtant, c'est une créature de Dieu. Tu as calomnié, tu as critiqué, tu as fait affirage à Patouya. Tu termines avec Tchébé, Tchébé, Tchébé. Ce qu'on t'a pas demandé là, tu allais dire. Tout ça, c'est tellement beaucoup. Tu as demandé pardon à Dieu pour ça. Mais tu vas demander à ce que son sang coule pour venir te laver le sang. Pour venir laver ta robe de justice. Amen. Pour venir laver ton âme. Amen. Laver ton esprit. Amen. Laver ton corps. Te purifier, te sanctifier tout entier. Amen. Tu vas toujours poser ta main sur ton cœur. Bien-aimé, ne néglige pas ce moment. Sois entièrement disposé. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Regarde-moi. Regarde-moi. De ta grande compassion. De ta grande compassion. Regarde-moi. Regarde-moi. De ta grande compassion. De ta grande compassion. Et souviens-toi. Et souviens-toi. Du sacrifice que tu as fait. Du sacrifice que tu as fait. À cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Tu as été frappé. Tu as été frappé. À cause de mes iniquités. À cause de mes iniquités. Tu as été brisé. Tu as été brisé.
le châtiment. Le châtiment. Qui me donne la purification. Me donne la purification. Le châtiment. Le châtiment. Qui me donne la sainteté. Me donne la sainteté. Le châtiment. Le châtiment. Qui me guérit. Qui me guérit. Le châtiment. Le châtiment. Qui aujourd'hui. Aujourd'hui. Devait me sauver. Devait me sauver. Est tombé sur toi. Est tombé sur toi. Et c'est par tes mains touchées. Et c'est par tes mains touchées. Que je suis guéri. Que je suis guéri. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Répands ton sang. Répands ton sang. Répands ton sang. Répands ton sang. Sur mon âme. Sur mon âme. Répands ton sang. Répands ton sang. Sur mon esprit. Sur mon esprit. Répands ton sang. Répands ton sang. Sur mon corps. Sur mon corps. Répands ton sang. Répands ton sang. Sur mon corps. Sur mon corps. Répands ton sang. Répands ton sang. Sur mon esprit. Sur mon esprit. Répands ton sang. Répands ton sang. Sur mon âme. Sur mon âme. Sur mon âme. Sur mon âme. Pour la purifier. Pour la purifier. Pour la purifier, la purifier, pour la purifier, la purifier, pour la laver, pour la laver, pour la laver, pour la laver, pour la sanctifier, la sanctifier. Répands ton sang. Commence à prier, commence à prier. Seigneur Jésus, répands ton sang sur moi. Oh, Seigneur, ce que j'ai commis dans le monde, il répand. Seigneur, je suis venu dans la terre, la terre de tout ce que j'ai. Il répand ton sang. Lave-moi, 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 lave-moi,
Tu as commis l'impudicité. Tu t'es lavé. Tu as demandé pardon à Dieu. Mais le lien d'impudicité n'a pas rompu ça. Ils vont dire, ah bon, ils vont s'asseoir dessus comme ça. Ils vont te régler ta vie. Tu vas aller commettre encore l'impudicité. Tu vas t'en rendre compte que quoi? Malgré que tu es la sainte doctrine là, mais tu as la sensation encore de pouvoir faire quelque chose. Tu ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. Parce que le lien persiste encore. Alléluia. Amen. Tu vas briser ce lien-là. Au nom de Jésus. Tu vas jouer avec ça. Bien aimé, c'est ton paradis qui est en jeu. C'est ton salut qui est en jeu. La Bible déclare que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont. N'est pas entendu. À ceux qui sont. Dieu. À ceux qui sont. Dieu. La Bible dit qu'aussi, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Comme on a prié tout à l'heure, là. Tout à fait, mon bonheur, Seigneur, il épouse les deux. Bien aimé, c'est pourquoi je. On est prière fervente. Alléluia. Amen. Tu vas briser ces liens-là. Au nom de Jésus. Je répète encore. Ça me fait mal, en fait. Lorsque on prie, lorsqu'on fait pause pour parler un peu, d'autres personnes profitent pour être distraites. D'autres personnes profitent pour leur penser en même temps, boum, c'est ça. Commence à penser à autre chose. Bien aimé, n'as-tu pas conscience de ton salut? On est obligé de lui faire un autre discours que quand tu te reconcentres et on commence à prier. Reste toujours disposé. Comme l'homme de Dieu Abraham a dit, tant que la prière n'est pas finie, le culte n'est pas fini, le Seigneur te descend à tout le monde, te saisit à tout le monde, te délivrer. Tu dois rester disposé, bien aimé. Alléluia. Amen. On va passer au combat. Bon, avec ça, tu vas prendre les âmes spirituelles. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Voici que tu as dit. Voici ce que tu as dit. Qu'on n'a pas à lutter. Qu'on n'a pas à lutter. Qu'on t'a serré le sang. Qu'on t'a serré le sang. Bien aimé, y aller. Est-ce pas ça? Où ça te venir? Tu peux te promener, tu peux marcher tu veux. Alléluia. Amen. Mais vos prières ne soient pas distraites. Alléluia. Amen. Tu as fini de te purifier, de te sanctifier. Maintenant, tu vas en combat maintenant. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. On n'a pas à lutter. On n'a pas à lutter. Qu'on t'a serré le sang. On a serré le sang. On n'a pas à lutter. On n'a pas à lutter. Qu'on t'a serré le sang. On a serré le sang. Mais quand les esprits du monde est ténèbres. Quand les esprits du monde est ténèbres. C'est pourquoi. C'est pourquoi. En ton nom. En ton nom. Je porte le cas du salut. 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 Père. Père. Toute flèche. Toute flèche, toute amule, toute lance, toute lance, qui va viser ma tête, qui va viser ma tête, et sous au nom de Jésus, et sous au nom de Jésus. C'est pourquoi, je porte ta cuirasse de justice, 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 toute flèche, toute flèche, qui va viser mon cœur, qui va viser mon cœur, tout péché, tout péché, qui va viser mon cœur, qui va viser mon cœur, toute lance, toute lance, qui va viser mon cœur, qui va viser mon cœur, et sous, et sous, et sous, et sous. C'est pourquoi, c'est pourquoi, je porte. Je passe. La ceinture de vérité. 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 Tout penser. Tout penser. Impur. Impur. Contraire. Contraire. À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et sous. 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 C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je porte. Je passe. Les bottes. Les bottes. Je donne. Je donne. Les ailes élancées. Les ailes élancées. Je porte. Je porte. Ces bottes. Les bottes. Je porte. Je porte. Ces bottes. Je porte ses bottes, tout piège, tout piège, tout piège, sur lequel je vais marcher, je vais marcher, je vais marcher, et sous, et sous, et sous, et sous, c'est pourquoi je saisis, je saisis, je saisis, je saisis, je saisis, bien aimé, fais-le avec foi, je saisis, je saisis, avec ta main gauche, je saisis, je saisis. Je saisis, je saisis le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je saisis. Je saisis le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Pour bloquer. Pour bloquer. Toute attaque. Toute attaque. Toute roquette. Toute roquette. Toute balle. Toute balle. Toute lance-roquette. Toute lance-roquette. Qui vont lancer. Qui vont lancer. Contre moi. Contre
Essou. C'est pourquoi je saisis l'épée. 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 De l'esprit. Tout démon. Tout lien. Tout patte. Qui sera devant moi. Échouera. Échoué. A échoué. A échoué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais répéter après moi maintenant. Mais quand tu prends ta récité, ta vie, t'es différent. Quand tu promènes une marche, tu vas aller maintenant au combat. Lorsque tu étais petit, tu étais encore devant de ta mère. Il y a ce que tes parents ont fait. Et avec pas des liens qui étaient tissés. Il y a des mandats qui ont été légués. Et jusqu'à présent, ces mandats demeurent. Bien-aimé, tu vas saisir ton épée. Tous ces liens-là, tu vas les couper. Au nom de Jésus. Si tu t'es amusé, tu as laissé un. Bien-aimé, c'est pour toi ce nom. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je tiens ce soir. Je tiens ce soir. Je tiens ce soir. Je tiens ce soir. Ton épée. Ton épée. Je tiens ce soir. Je tiens ce soir. Ta verge. Ta verge. Je tiens ce soir. Je tiens ce soir. Ton épée. Ton épée. Tout lien. Tout lien. Tout patte. Tout patte. Tout mandat. Tout mandat. Tout décret. Tout décret. Qui a été pris. Qui a été pris. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. À cause de ma mère. À cause de ma mère. À cause de mon père. À cause de mon père. À cause de ma mère. À cause de ma mère. À cause de mon père. À cause de mon père. Est brisé. 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 Commence à révoquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai encore prié. Il y a des liens, tous ces liens encore. Lorsque tu es adolescent, lorsque tu es devenu adulte, lorsque tu es rentré dans la sainte doctrine, ces liens encore qui pèsent parce que tu as calomnié. Ces liens parce que hier là, tu étais jaloux. Il y a des mandats qui étaient légués. Tu vas encore rompre ces deux mandats. Tu vas encore annuler ces mandats. Tu vas encore rompre ces décrets. Tu vas dire Père. Père. Bien aimé, j'y vais avec toi. Père. 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 Je saisis. Je saisis. Je saisis. Je saisis. Ton épée. Ton épée. Je saisis. Je saisis. Ta verge. Ta verge. Je saisis. Je saisis. Ton épée. Ton épée. Vengeresse. Vengeresse. Je saisis. Je saisis. Ton épée. Ton épée. Vengeresse. Vengeresse. Tout mandat. Tout mandat. Tout mandat. Tout mandat. Tout décret. Tout décret. Qui a été pris. Qui a été pris. Par le monde des ténèbres. Par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Par le monde des ténèbres. Tout décret. Tout décret. Tout résolution. Tout résolution. Qui a été pris. Qui a été pris. Dans le monde des ténèbres. Parce que j'ai péché, j'ai été jaloux, j'ai été dans la synodie de la vérité, j'ai péché, et un mandat a été donné, un lien a été tissé. Je prie ce Dieu, 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 je le rends, 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 je le
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. En semaine de deux. En semaine de deux, fais vite. En semaine de deux, il n'y a pas d'attraper les mains. Alléluia. Alléluia. Amen. En semaine de deux. Amen. Est-ce pas pour nous? En semaine de deux. Il n'a pas compatriote. Bon, vous êtes pas lui. Alléluia. C'est bon? C'est bon? Amen. Tiens, coupe en deux. Tenez. Coupe en deux. Alléluia. Amen. Cette dernière étape qu'on va faire, ça va représenter maintenant tous ces autres liens qu'on n'a pas mentionnés ici. Alléluia. Amen. Tous ces autres liens qu'on n'a pas mentionnés ici. Tous ces autres liens, quand on vient le mentionner ici, quand tu vas à Rome, c'est bien. Tout ce qui pèse contre toi, tu vas se purifier. Bien aimé, fais-le avec foi. Si tu as négligé cela, au nom de Jésus. Bien aimé, si tu as négligé cela, c'est pour toi que tu vas partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes coupé en deux. Vous êtes coupé en deux. Oui. Ça peut aller. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on va aller. Allons-y, on va chanter ce chant. Il combattra pour moi. Comment ça te disposer? Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra. Il combattra pour moi, puissant guerrier. Il fermé, tu vas lever ton lit au nom. Tu vas lever. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te présente. Je te présente. Le mandat d'accusation. Le mandat d'accusation. Que Lucifer. Que Lucifer. Et sa bande. Et sa bande. Ont eu contre moi. Ont eu contre moi. Je te présente. Je te présente. Le décret. Le décret. Qu'ils ont osé. Qu'ils ont osé. Prendre contre ma personne. Prendre contre ma personne. Père. Père. Je me suis repenti. Je me suis repenti. Tu m'as purifié. Tu m'as purifié. Mais tout mandat. Mais tout mandat. Qui persiste contre moi. Qui persiste contre moi. Tout lien. Tout lien qui a été tissé, qui a été tissé contre ton enfant, contre ton fils, contre ta fille, contre ta fille, père, père, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ton nom, en ton nom, en ton nom, en ton nom, je les prends de ton sang, 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 et je les révoque, et je les révoque. Et je le révoque. Et je le révoque. Révoque, c'est bien. Et je le révoque. Et je le révoque. Allez, priez, révoque. Fais-le sincèrement, bien aimé. Fais-le avec ton cœur. Je puisse.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il t'a traversé? Jésus. Jésus. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Regardez. Son autre personne me croit que je suis fou. Regardez. Le monde spirituel, la Bible déclare que quoi? La foi est l'affirmation des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne peut pas voir. Lorsque tu parles normalement, il y a des ondes sonores qui se relâchent. Mais la Bible déclare que, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a une suprématie que l'on ne peut pas comprendre. Lorsque je te mets à crier Jésus, les ondes sonores qui se propagent font des effets. Tu ne vas pas comprendre. Lorsque tu te mets à crier Jésus, les ondes sonores qui se propagent. Regardez. Quand tu prends une pierre et puis tu lances dans l'eau là, tu vois les tout courants qui s'envoient, qui sont gros là, ce sont les ondes. Quand tu cries, là, comment ça fait? Maintenant, imagine le feu qui se répand comme ça. Et puis tu vas négliger là, Jésus, Jésus. Tu cries Jésus, mais dans ton cœur, il n'y a pas Jésus là-bas. Alléluia! Amen! Jésus! 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 Jésus. Alléluia. Amen. Va crier le dernier Jésus. Pendant que tu criais Jésus, peut-être que tu ne le voyais pas. Mais chaque onde sonore qui se propageait là, ça gâtait le monde des ténèbres. Amen. On va crier le dernier Jésus. Alléluia. Tu vas crier dans ta voix partie. Alléluia. Amen. Selon ton degré de foi là, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Je vais compter jusqu'à toi. Ose apprêter ta gauche. Physiquement, ça paraît amusant. Mais dans le spirituel, il y a une grande signification de ça. Alléluia. Amen. Un. Et bien, après ta gauche, commence à faire trop. Pose bien gratter ta gauche. Tu as crié quand ta voix partie. Deux. Quand je dis au nom de un Christ, il faut crier Jésus quand tes dents vont quitter pour tomber. Trois. Jésus. J'ai dit au nom de. Au nom de. Amen. Gloire au véritable. Amen. Bien aimé, tu vas prendre place.
Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Il y a assez de place pour tout le monde. Donc, tu vas t'asseoir. Et tu as fini de t'asseoir, tu vas prendre ta Bible. Va pas comme ça ici. Alléluia. Amen. Tu vas prendre le livre de Daniel, chapitre 3. Tu vas nous donner une petite exhortation pour la gloire du Seigneur Jésus. Tu vas prendre le livre de Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 12. Rapidement. Un bien-aimé pour nous lire le livre de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Je vais aussi demander aux bien-aimés qui sont même derrière la caméra d'être disposés, parce que ce message certainement aussi te concerne. Alléluia. Je vais demander aussi aux brebis du Seigneur qui sont ici de rester disposés et de bien suivre, parce que certainement, assurément, ce message te concerne. Daniel, chapitre 3. Daniel chapitre 3, à partir du verset 12, vas-y un peu. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance la province de Babylone. Écoutez bien, restez concentrés. Sadrach, Meshach et Abednego. On comprend qu'il y a trois hommes dont il est mentionné dans les Écritures. À qui le roi avait remis l'intendance de la province de Babylone. Alléluia. Ce roi-là, c'était le roi Nebuchadnezzar. Qui a déjà lu ce passage-là? Qui a déjà lu ce passage que nous sommes en train de lire là? Qui a déjà lu ça? Les deux seulement. Tu n'as jamais lu ce passage-là? Trois. Tu n'as jamais lu ça? Ils ont la Bible, hein? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Mais ce livre de la loi là s'éloigne de ta bouche. Ce bon vin s'éloigne de ta bouche. Alléluia. Amen. Voici notre vin qui est là. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. C'est ça qui est là. Alléluia. Amen. Mais ce bon vin là, tu ne bois pas ça. Ça s'éloigne de ta bouche. Normalement ça là, c'est à l'école de dimanche on voit. Ça là, c'est. Alléluia. Vas-y un peu. Homme, il ne tient aucun compte de toi. Vas-y un peu. Ô roi, ils ne servent pas des dieux. Et ils n'adorent point ta statue d'or que tu as élevée. Alors. Donc, suivez très bien les moindres détails, parce qu'on va détailler dessus. Ils ont dressé une statue. Nebuchadnezzar dresse sa statue, il dit que tout le monde doit se prosterner devant la statue d'or. Alléluia. Amen. Et il y a des personnes, ils étaient juifs, mais à qui ils ont donné des noms particuliers et qui ont refusé de se prosterner devant la statue. Vas-y un peu. Alors, Nebuchadnezzar irrité et furieux. Vas-y. Donna l'ordre qu'on amena Sadrach, Meshach et Abednego. Donc écoutez très bien le nom de ces personnes. Il y avait Sadrach, il y avait Meshach et il y avait Abednego. Est-ce que ces noms-là, pour ceux qui l'ont lu là, c'est quel nom? C'est des noms qui sont africains, c'est des noms bétés, des noms doulards. C'est quel nom? Sadrach, Meshach et Abednego. C'est quel nom? Ceux qui ont déjà lu ce passage-là, ces noms-là sont de quelle origine? C'est des noms américains, c'est des noms chinois, c'est des noms gros. Oui.
C'est des noms. D'accord, c'est des noms qui venaient de la Babylone. C'est pas des noms. C'était pas des noms hébreux. Les vrais noms étaient Michaël, Azaria et puis l'autre là. Le troisième nom. Le troisième nom. Michaël, il y avait Azaria et puis il y avait quoi encore? Hein? D'accord, regardez rapidement. En attendant, tu continues. Au verset 13. Mm-hmm. Et ses hommes furent amenés devant le roi. Vas-y. Nebuchadnezzar prit la parole et le dit. Tu veux très bien. J'ai fait exprès d'attirer votre attention sur leur nom. Uh-huh. Est-ce le propos délibéré? Mm-hmm. Shadrach, oui. Meshach, mm-hmm. et Abednego. Mm-hmm. Que vous ne servez pas mes dieux. Mm-hmm. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Mm-hmm. Mais tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, mm-hmm. du chamuleau, mm-hmm. du chalumeau plutôt, mm-hmm. de la guitare, mm-hmm. de la sambule, mm-hmm. et du slatérion, oui. de la cornemuse, alléluia, mm-hmm. et de toutes sortes d'instruments, mm-hmm. vous prosternerez. Et vous adorez la statue. Regardez très bien, ce passage-là, c'est différent. C'est une exhortation, c'est pas comme un enseignement où on va détailler tout ça. J'ai juste attiré votre attention sur quelque chose. Le roi demande que lorsqu'on va sonner tous ces instruments qu'ils ont chantés, ils ont cité le chalumeau, le satyrion, la cornemuse, etc., automatiquement, tout le monde doit se prosterner. Parce que la première fois qu'ils ont fait, tous les instruments ont sonné, il y a eu 3 personnes qui ne se sont pas prosternées. Alléluia. Il y a eu 3 personnes qui ne se sont pas prosternées. Ils étaient Shadrach, Meshach et Abednego. Vous avez trouvé le troisième nom? Anania. Ok, donc Anania, Michaël et Azaria. Donc, c'est les 3-là qui ont décidé de ne pas se prosterner. Oui, continue. Vous vous prosternerez. Donc, le roi est en train de dire maintenant, si je sonne à nouveau et que si vous ne vous prosternez pas. Et vous adorez la statue. Vous devez normalement adorer la statue d'or. Oui. Si vous ne l'adorez pas. Si vous ne l'adorez pas. Jusqu'au verset 20. Vous serez jeté. À l'instant même. Oui. Au milieu d'une fournaise ardente. Vas-y un peu. Continue seulement. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de tes réponses. Voici notre Dieu. Que nous savons peu, oui. nous délivrer la fournaise attend et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servions pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. On voit un peu, va directement verset 20. Les gens ont déjà compris. Au verset 20, puis il commanda à quelqu'un. Des plus vébreux soldats. Donc, puisque lorsqu'ils ont sonné pour la dernière fois, ils ont décidé de ne pas se prosterner. Pourquoi? Dans ce cas-là, regarde ce que le roi va dire. Vas-y. Puis il commanda à quelques-uns de ces plus vébreux soldats. Oui. De son armée. Meshach. Et Abed. De les jeter dans la force. C'est pas Meshach et puis Abednego seulement. Ils ont cité ce qu'on doit citer là. De lier Shadrach, oui, Meshach et Abednego. Et de les jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour ceux qui connaissent très bien l'histoire, d'abord, qui a déjà eu l'esprit ouvert? Parce qu'on sait très bien, ça, on est en train de lire, on sait très bien qu'il y a une révélation forcément qu'on va faire sortir. Parce que c'est grâce à ça que je cherche à expliquer quelque chose. Pour que l'esprit des enfants de Dieu soit éveillé. Alléluia. Amen. On a vu à chaque fois que tout ce qui a été fait dans les Écritures selon le livre de Proverbes 16, verset 4, que cela a été fait pour un but. N'est-ce pas? Donc lorsqu'on voit une Écriture dans la Bible, ça cache forcément une révélation. Regardez le manteau de Joseph. C'est un manteau qui avait plusieurs couleurs. De la même manière, lorsque tu prends les Écritures, une Écriture cache aussi plusieurs couleurs. Une Écriture cache plusieurs révélations. Lorsque tu vas prendre une Écriture, là, ça traduit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. De la même manière, le passage que nous venons de lire aussi est en train de parler de quelque chose.
Mais toi, tu n'as pas vu ça. Qui a vu ça? Qui a vu déjà de quoi ça parle? Qui a vu de quoi ça parle? Nabadi, personne. Personne n'a vu de quoi ça parle. D'accord. Je vais résumer l'histoire. Il y avait 4 hommes qui ont été déportés en Babylone. Il y avait Daniel qui a appelé Belshazzar. Qu'on lui a donné le nom de Belshazzar. Il y avait Shadrach, Meshach et Abednego à qui ils ont donné respectivement les noms d'Anania, de Michaël et d'Azaria. Et ces personnes ont été déportées en Babylone. Et par après, ils vont demander à ce que ces personnes-là, d'abord ils ont sonné le chalumeau, etc. Quand ils ont fini de tout sonner, ils ont demandé aux gens de se prosterner. Tout le monde s'est prosterné, sauf Michaël, Anania et Azaria. Mais la question que vous devriez vous poser, où était Daniel? Ah, vous n'avez pas pensé à ça. Daniel aussi était un serviteur de Dieu. Un jour, ils ont pris un décret, ils ont demandé à Daniel de ne pas prier pendant un certain temps. Et Daniel n'a pas obéi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire que certainement, dans ce cas aussi, Daniel n'avait pas obéi. Mais ici, spécialement, on ne voit pas Daniel, mais on ne voit que Shadrach, Meshach et Abednego. Où était Daniel? Daniel était où? Je vois qu'il y a des esprits qui commencent à s'ouvrir. Qui a déjà l'esprit ouvert? Personne. Alléluia. Amen. Le fait que Daniel n'était pas présent, c'est parce que Daniel était enlevé dans la révélation. Alléluia. C'est l'église qui est déjà enlevée. L'église est déjà partie. Vous allez constater une chose. Lorsque tu vas lire pratiquement tout le livre de Daniel, ils ont toujours dit Daniel. On ne dit jamais Belshazzar. Ou bien soit on dit Daniel appelé Belshazzar. Mais en ce qui concerne Shadrach, Meshach et Abednego, on ne cite pratiquement jamais leur nom hébreu, mais on cite toujours le nom babylonien qu'on leur a donné. Est-ce que vous me suivez? Alléluia! Est-ce que vous me suivez? Gloire à Jésus! Amen. Et lorsque le roi demande de jeter ces 3-là, Daniel n'est pas présent. Donc le fait que Daniel ne soit pas présent, c'est l'église qui est enlevée. Mais Daniel n'avait pas un nom païen, parce que Babylone, le nom babylonien, c'est un nom qui est païen. Daniel n'avait pas de nom païen. Est-ce que vous voyez un peu? On avait tendance à ne pas appeler Daniel par son nom. C'est comme l'église, toi chrétien qui ne porte pas de nom païen, c'est la raison pour laquelle tu as été enlevé. L'église, on imagine que là, l'église est déjà enlevée. Alléluia. Mais quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ou dans les Écritures, on garde leur nom, dans la révélation, c'est ceux-là qui sont en train de passer par la grande tribulation. Est-ce qu'on me suit maintenant? Amen. Est-ce que maintenant on me suit? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que maintenant on me suit? Amen. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la grande tribulation. Apocalypse chapitre 13. On va tester cela par une écriture. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 5. Ce passage en train de montrer ce qui va arriver. Rapidement, Apocalypse chapitre 13, verset 5. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 5. Vas-y un peu. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Ici, c'est en train de s'agir de l'antéchrist. Lorsque l'église sera enlevée, les Écritures déclarent que l'antéchrist sera sur la terre. Donc, il va commencer à blasphémer contre Dieu. En ce moment-là, moi, je ne serai pas là. Amen. Et j'espère aussi que tu ne seras pas là. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que toi, ma soeur, tu ne seras pas là. J'espère aussi que toi, mon frère, tu ne seras pas là. En tout cas, moi, je ne serai pas là. Alléluia. Combien tu veux être là? On dit que tu ne seras pas là, tu ne dis pas amen. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment, l'église sera déjà enlevée. Amen. Et pendant que l'église sera déjà enlevée, on arrive dans une période où la dernière fois, on a expliqué
que selon les Écritures, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 8, verset 1, il eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Et on avait déjà expliqué que le silence d'une demi-heure représentait la grande tribulation qui se passe pendant 3 ans et demi. Ou la silence dans le ciel. Le silence dans le ciel, c'est Dieu qui décide maintenant de ne plus sauver Israël, de ne plus être aux côtés d'Israël. Donc il y a maintenant silence dans le ciel, c'est le silence de Dieu. Il donne autorité totale à la bête de torturer la terre. C'est ça le silence d'une demi-heure. Le silence d'une demi-heure, c'est le silence de 3 ans et demi. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que ça va? Amen. Vas-y un peu. Et des blasphèmes. Oui. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Vous pouvez calculer. Calcul normal. C'est pas calcul sur ici. Quand il fait 42 mois, là, ça fait 3 ans et demi. Alléluia. Vas-y. Et elle ouvrit sa bouche là, pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Oui. Pour blasphémer son nom. Oui. Et son tabernacle. Oui. Et ceux qui habitent dans le ciel. Oui. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Voilà. Et de les vaincre. Lorsque tu es en train de voir le roi Nebuchadnezzar en train de dresser la stature d'or et qui est en train de dire celui qui ne se prosterne pas devant la stature d'or pour adorer la statue, parce que ce n'était pas une autre statue, c'était sa statue à lui. Celui qui n'adore pas la statue sera jeté dans la fournaise, représente l'antéchrist qui sera sur la terre et qui va dire aux vierges folles, qui va dire à Israël qui a rejeté Jésus et qui va dire aux nations, celui qui ne va pas m'adorer, celui qui va refuser la marque de la bête, qui est le 666, cette personne-là sera torturée doucement, petit à petit, jusqu'à mort. Est-ce qu'on voit un peu? Est-ce qu'on me suit? Amen. Continue. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, oui. Tout peuple. Sur tout peuple. Toute langue. Et toute nation. Et même sur toute nation. C'est ce qui arrivera après l'enlèvement. Je te le dis, faut pas rater l'enlèvement. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais faut pas rater l'enlèvement. Parce que si tu as raté l'enlèvement, ça sera difficile de pouvoir tenir jusqu'à la fin. Parce que c'est pas une affaire de Dieu va prendre épée. Tiens. Et puis c'est fini. C'est pas fini. Hein? Ils vont venir. Ils vont par exemple mettre des puces. La marque, soit ils vont mettre ça par exemple dans ta main. Ou encore ils vont mettre ça. En tout cas, ça va apparaître spirituellement. Tu vas pas voir ça. En fait, ils sont aussi physiquement, ils sont front maintenant. Ça serait quelque chose de spirituel. Mais ils vont mettre par exemple des choses dans tes mains. Ceux qui ont arrivé au moment où ils ont vu la puce RFID qui avait pris une chose aux États-Unis. Ça serait un truc comme ça. Ça serait un truc un peu masqué. Lorsqu'ils vont mettre ça au niveau de ta main droite, ou encore, ils vont mettre ça au niveau de ton front. Lorsque cette marque-là sera là, à certaines personnes, ça va créer des, comment on appelle ça, des insuffisances, qu'on appelle insuffisances rénales, puisque c'est des ondes. Donc, ceux qui ont refusé la marque de la bête, ils vont aller prendre un couteau sans anesthésie. Ils vont enlever ton rein, puis ils vont leur donner ça. Ah, tu veux vivre ça? Tu veux vivre ça? Jamais. Ils vont prendre un couteau. Tu acceptes, tu prends la marque de la bête, oui, non. Ils vont couper ton doigt petit à petit. Ça ne sera pas spirituel, hein, ça sera physique. Ils vont te torturer physiquement. Il y aura non seulement des hommes sur la terre, mais il y aura aussi des démons physiques sur la terre. Deux espèces. Ils vont violer des femmes. Des démons avec vraiment quelque chose d'énorme. Et ils vont violer des femmes. Ils vont jeter d'autres en prison, les torturer lorsqu'ils seront en prison. Tu veux supporter ça? Tu veux rester? Non. Tu veux rester? Non. Les gens vont pleurer. Mais ah, ça sera trop tard. Tu dois obligatoirement passer par la grande tribulation. Et la pire des choses est que ça sera 3 ans et demi. Hey. Imagine un peu, tu n'as pas la marque, tu ne peux pas acheter quelque chose, tu ne peux pas boire, tu n'as pas la marque de la bête, on coupe ton eau, tu n'as pas la marque de la bête, on coupe ton courant, tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas manger quelque chose,
Tu veux voir cette tongue de sang guéri, tu as mis chez toi. Ça a fini un jour. Alléluia. Amen. Tu pourras. Est-ce que tu peux supporter ça? Est-ce que tu peux supporter ça? Je ne souhaite pas à quelqu'un de rater l'enlèvement. Alléluia. Continue. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Mm-hmm. Ceux dont le nom, mm-hmm. ceux dont le nom n'a pas été écrit oui. dès la fondation du monde. Alléluia, vas-y. Dans le livre de la vie de l'agneau mm-hmm. qui a été immolé. Mm-hmm. Si quelqu'un a des oreilles, ont-ils entendre. Mm-hmm. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Mm-hmm. Si quelqu'un tue par l'épée, mm-hmm. il faut qu'il soit tué par l'épée. Mm-hmm. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Mm-hmm. Puis je vis monter de la terre. Ça va. Alléluia. Apocalypse 13, tu as fini, Eli? Oui, c'est Apocalypse 13. Tu as fini, Eli, Apocalypse 13. Tout est fini. Non, je suis au verset 11. Vas-y. Puis je fus monté de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Verset 15 rapidement. Verset 15. Et il fut donné d'animer l'image de la bête. Mm-hmm. Afin que l'image de la bête parle mm-hmm. et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas. Ça, c'est pas notre enseignement. Et donc, la parler, tout ça, on va pas insister dessus. Soit. Vas-y. Mm-hmm. Et elle fit que tous, petits et grands, mm-hmm. riches et pauvres, mm-hmm. libres et esclaves, mm-hmm. reçoivent une marque sur leur main droite oui. ou sur leur front. Ou sur leur front. Et oui. que personne ne puisse acheter ni vendre. Personne ne pouvait acheter. Personne ne pouvait vendre non plus. Je suis en train de t'expliquer un peu la grande tribulation. Parce que les gens, souvent, lorsqu'on n'explique pas ce qui se passe, ce qui va se passer lors de la grande tribulation, là, ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Ils croient que ça sera non un moment de... Ouf. Et puis, non. Tu restes là, tu vas subir, tu vas sentir ça. Vas-y. Sans avoir la marque, mm-hmm. le nom de la bête mm-hmm. ou le nombre de son nom. Oui. C'est ici la sagesse. Alléluia, ça va ici. Ça va ici. Bon, on termine en même temps le 666, vas-y. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Mm-hmm. Car c'est un nombre d'hommes. Mm-hmm. Et son nombre est 666. Alléluia. Actuellement, les Écritures pouvaient déclarer que c'est nous encore. Il faut que celui qui retienne ça, qui retienne le diable, l'antéchrist, là, ait disparu. Parce que tant que nous, l'église, qui avons en nous Jésus, qui avons en nous le Saint-Esprit, nous sommes sur la terre, l'antéchrist ne peut pas agir librement. Alléluia! C'est la raison pour laquelle ces marques sont là, tout est là, mais il ne peut pas agir, il ne peut pas se déployer comme il veut. Gloire à Jésus! Tant que nous, l'église, on n'est pas encore enlevé, tant que nous, les brebis de Dieu, on n'est pas encore enlevé. Satan n'a pas le pouvoir total sur la terre. Est-ce que tu connais la grâce qui t'est donnée? Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais la grâce que Dieu te donne? Toi, chrétien, le Seigneur te dit que tant que toi, tu n'es pas enlevé, la bête, le diable, ne peut pas dominer la terre. Tu t'as mis avec ton pouvoir, tu t'as mis avec la grâce que Dieu t'a donnée. Mais si tu as raté ça, et que tu marches dans les convoitises de ce monde, tu vas vivre la grande tribulation. Donc, lorsque tu vois Nebuchadnezzar en train de dire tous ceux-là qui ne se prosternent pas devant la statue, ces personnes-là seront jetées dans la fournaise. La fournaise représente le feu. Le feu ici, c'est un élément de torture. Donc, la fournaise est en train de représenter ici la torture que vont faire, vont vivre tous ceux-là qui vont refuser de prendre la marque de la bête. Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusent de prendre la marque de la bête, représentent les 144 000 en Israël et les vierges folles qui vont refuser de prendre la marque de la bête. C'est ceux-là qui seront torturés après l'enlèvement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les visages actuellement sont déjà apeurés.
Tu as peur de vivre la grande tribulation. Tu as peur de vivre la grande tribulation, marche dans la sanctification. Tu as peur de vivre la grande tribulation, vis une vie de pureté. Tu as peur de vivre la grande tribulation, marche selon la parole de Dieu. Mais comme je disais tout à l'heure, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que Shadrach, Meshach et Abednego dans les Écritures, on aimait bien garder leur nom babylonien. C'est ceux-là qui avaient ces noms païens-là. C'est ceux-là qui sont passés par la grande tribulation. Mais Daniel, qui avait lui aussi ce nom, mais on ne citait pas ça dans les Écritures. Celui-là n'est pas passé par la grande tribulation. En ce moment, Daniel était enlevé dans la révélation. Alléluia. C'est pour dire quoi? Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom qu'on t'a donné? On t'appelle Apuchu. On t'appelle Skinny. C'est ça, non? On t'appelle Tati. Le Tatiana. Vieux. Le vieux. On t'appelle le vieux, la vieille. On t'appelle comment encore? Donnez-moi les noms. On t'appelle Larissa. Alléluia. Gloire à Jésus. On t'appelle Jézabel. Doblec. On t'appelle Joblec. Donnez-moi les noms. Le Choco. Hein? Tous ces noms païens-là. Et ces noms-là sont sur toi. On t'appelle Aïcha. Aïcha, c'est le nom d'une sirène. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu as ces noms païens-là qui sont sur toi, qui influencent ta vie. Laisse-moi te dire que si tu as ces noms païens-là, tu ne peux pas entrer au ciel. C'est la raison pour laquelle dans la révélation, Daniel, ce nom-là, n'a fui. C'est pas sur lui. Raison pour laquelle il n'a pas vécu ce moment-là. Dans la révélation, Daniel était enlevé. Mais Michaël, Azaria et Anania, qui ont gardé ce nom-là, ces personnes-là étaient passées par le feu. Laisse-moi te dire que si tu es un nom païen, tu ne peux pas aller au ciel. Hein. Tu comptes quoi? Dieu va écrire Jézabel dans son livre de vie. Hein? Les chiens ont bouffé le livre là. Dieu va écrire Jézabel dans son livre de vie. Dieu va écrire le vieux dans son livre de vie. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si ton nom n'a pas une signification qui glorifie Dieu, ton nom veut dire maudit. Ton nom veut dire bail. Ton nom veut dire frappé par la malédiction. Ton nom veut dire sirène. Ton nom veut dire chômeur. Ton nom veut dire voyou. Tu ne peux pas entrer au ciel. Et aujourd'hui même, il y a beaucoup de chrétiens qui font les erreurs. Ils portent le nom des joueurs. Il me rappelle quand on était petit, moi, on m'appelait Eric Bailly. Le défenseur de Côte d'Ivoire, là. On met ça sur moi. Et je suis fier. De la même manière, au lieu de chercher à copier les exemples de la Bible, au lieu de dire, moi, j'aime bien Daniel. J'aime bien Daniel. J'aimerais être comme Daniel. Toi, tu dis, tu aimerais bien être comme Fali, poupa. Alléluia. Amen. Et tu aimerais entrer au ciel, mais tu aimerais avoir un nom qui ne glorifie, de quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Toi, tu dis, tu t'appelles Daishi. Toi, tu dis, tu t'appelles Yorobo. Oh, Yorobo, c'est le nom d'un démon. Toi, tu dis, tu t'appelles Okenekwe. Oh, c'est le nom d'une sirène. Toi, tu dis, tu t'appelles Azalaka Péon. Regarde, écoute même le nom. Et puis, tu veux entrer au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu n'a qu'à écrire aucun épingle dans son livre. Tu comptes sur quoi? C'est les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi l'odorer les choses d'habitude, lorsque tu viens, tous ceux-là qui sont passés par les eaux du baptême, ici, bon, presque tout le monde est passé par les eaux du baptême. Lorsque tu arrives et que tu as un nom qui ne glorifie pas Jésus, qui n'émane pas de Christ, on demande quel est le nom que tu aimerais avoir.
Ou encore sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'homme de Dieu peut dire à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles comme ça. C'est important. Parce que lorsque tu es plongé dans les eaux, tu nais. Et si le nom que tu avais n'était pas un nom qui glorifie Dieu, ce nom-là ne peut pas être écrit dans le livre de vie. Jamais. Si le nom que tu as a une mauvaise signification, c'est la raison pour laquelle en fait on change le nom. C'est pas parce que c'est un effet de mode. Hein. Ok, on arrive. Tu es pour des gars. Il vient me faire appeler chose. Esaïe. Il me fait appeler Emmanuel. Il me fait appeler Paul. Non. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit ça comme ça, non. Mais c'est à cause de la signification du nom. C'est pourquoi on dit que souvent les hommes de Dieu, quand tu t'envoies, on dit quel est le personnage qui t'a marqué. Ah, moi, celui qui m'a marqué, c'est le prophète Esaïe. Parce que le prophète Esaïe, lorsqu'il était là, un jour, il dit, je voyais Dieu assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. J'aimerais avoir la vision d'Esaïe. C'est pourquoi je décide de me faire appeler Esaïe. Alléluia. Amen. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Je sais que si je porte le nom Emmanuel, assurément le Seigneur sera toujours présent avec moi. Assurément, lorsque j'essaierai de faire des bêtises, le Seigneur, puisqu'il est toujours avec moi, il va me dire, non, Emmanuel, ne le fais pas. Donc, j'ai décidé de m'appeler Emmanuel. Alléluia. Amen. Quelqu'un dira, moi, je vais m'appeler Hulda, parce que Hulda avait un don particulier de prophétie. J'aimerais aussi avoir un don de prophétie. Donc, le nom Hulda agit sur moi. Alléluia. J'aimerais m'appeler Paul, parce que Paul signifie petit. J'aimerais être humble comme Paul. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça. On ne porte pas un nom pour porter un nom. On s'en va. Je vais t'appeler comment? Hey. Bon, appelez-moi Esther. Comme tout le monde s'appelle Esther. Ok, je m'appelle Esther. Attention. Alléluia. Quand tout le monde s'appelle, il y a quel nom qui est populaire? Tabitha. Je m'appelle Tabitha. Appelez-moi Tabitha. Alléluia. Oh, quelqu'un qui décide de s'appeler Lazare. Lazare, c'était quelqu'un qui était mort. J'ai oublié la signification de Lazare. C'est donné même dans les Écritures. C'est donné dans les Écritures, la signification de Lazare. Alléluia. Lazare était mort et Dieu a ressuscité, a ramené à la vie. Lorsque tu regardes ton passé et tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, de là où il t'a tiré, ça te marque. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'appeler Lazare. Alléluia. Et Dieu prend ça en compte. Mais toi, ton nom, c'est Papito. Alléluia. Ceux qui portent les noms païens, ils ne seront pas enlevés. Oui. Ton nom là aussi influence sur ton enlèvement. Parce que les Écritures ont mentionné que ceux-là qui passeront la grande tribulation, selon le livre d'Apocalypse 13, c'est ceux-là dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais si le nom que tu portes est un nom qui ne bande pas de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, il ne peut pas être écrit dans le livre de vie. Mon frère, ma soeur, quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que tu portes? Quel est ton nom? Tout à l'heure, Paul Emmanuel a expliqué un peu une histoire qui s'est passée. Pendant que nous étions là, lui, il était de l'autre côté là-bas, en train de prier. Il n'était pas avec nous. Nous, on était en train de faire nos recherches. Tout. Et alors, on était avec une soeur. Et on dit, mais attends, souvent là même, à chaque fois, on est pas les tati, c'est Tatiana. Oh, moi, ma petite soeur s'appelle Tania. Oh, Tania, c'est dérivé de Tatiana. Il dit, mais Tatiana, là, ça veut dire, Tania, là, ça veut dire quoi? Juste, ouais, dérivé, il comprend pas. Quand on dit dérivé, là, genre, c'est un peu pareil, ça vient, c'est pareil, ça quitte là-bas. C'est quitter de là-bas pour devenir comme ça, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, donc, on dit, mais Tania, là, ça veut dire quoi? Donc, il dit, mais la soeur Tatiana, là, ça veut dire quoi? Juste, mais. Et on était là, ok, on va faire recherche, on va regarder sur le net en même temps pour regarder. Moi, il disait que certainement ça là, parce que mes parents, tous les noms qu'on nous a donnés dans la famille, c'est des noms chrétiens.
toutes mes soeurs ont des noms chrétiens. Donc, certainement, la petite soeur, certainement, dit certainement, foyer, forcément, c'est un nom dans la Bible, nous ont donné. Mais tout, nous, tous dans la famille, là, nous, non, c'est des noms chrétiens. On dit, ok, on va vérifier. Je tape dans la Bible. Il y a une application qu'on appelle concordance biblique, ça permet de savoir les passages bibliques. Donc, je tape Tatiana. C'est pas évident. Donc, moi, ma petite soeur n'est pas dans la Bible. Il dit certainement, ça doit être un nom hébreu qui a certainement une bonne signification, comme certains passages, certains noms qui ne sont pas dans la Bible, mais qui ont des bonnes significations, des noms hébreux. Une bonne signification, telle que Chloé, telle que chose, bon, plusieurs noms comme ça. Et on est allé, on a regardé. Il dit, ok, on va taper sur le nez. Il me rend compte que ce n'est pas un nom hébreu aussi. Il dit, ok, même si ce n'est pas un nom hébreu, on veut connaître la signification quand même. Parce que ça peut ne pas être un nom hébreu, mais ça a une bonne signification. On s'en va, on tape sur le net. C'est un nom grec d'abord. Et qui signifie fée. Or, le fée, il n'y a pas de différence entre les fées et les sirènes. Il n'y a pas de grande différence. Pendant qu'on était en train de parler de ça, la soeur était de l'autre côté. Elle était en train de prendre un bain. Et elle voit la sirène. Pendant qu'on est à côté, on est en train de parler de ça. Elle voit la sirène qui l'apparaît. Et elle s'est un peu effrayée, elle est sortie. Lorsque vous avez tapé là, vous avez vu quoi? Oui? Comment? La sirène a dit, pourquoi on m'a appelé? Lorsque vous avez dit le nom, lorsque la sirène a apparu à la sirène, elle a demandé, pourquoi vous avez dit mon nom? Non, ça c'est après. Ça c'est pendant la délivrance. Donc pendant la délivrance. Ah, c'est sous la douche là. Ah, d'accord, c'est que là, il n'est pas suivi. Alléluia. Donc, certainement, il y avait oublié ces détails. Pendant qu'elle est sous la douche, la sirène dit que pourquoi nous on appelle son nom. Hey, la foutaise. Alléluia. Et la sœur est sortie, toute effrayée. Elle dit, ah, mais vraiment. On dit, bon, d'accord. On a laissé. Pendant la prière, parce qu'on se retrouve à minuit. On était en train de prier, feu, on a fini, on était tellement fatigué, épuisé. Ce jour-là, on était tellement épuisé, Satan a failli faire de telle sorte que chacun même, on puisse couper court. On a presque fini. C'est parce qu'il m'a prié, il dit, on va prier, la soeur, parce que vraiment, la chose, c'était dès les 18, on a fait la recherche. À 18, on a fait recherche, on a vu que le nom de la soeur, là, signifie fée. Ça, là, c'est pas un épuisé, on doit prier. Prier, là. Saint-Esprit, feu. Paf, d'amusement là. Est-ce que là comment ça s'est manifesté? Parce que la sœur, à chaque fois on prie, mais on ne sait pas c'est quoi le problème. On prie, mais il y a toujours un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a des démons qui viennent marcher sur ma tête. Moi, il me dit, aïe, non, Jésus, à chaque fois, des démons marchent sur ma tête, mais c'est comment? Aïe, à chaque fois, non, Jésus, mais il y a toujours des petits bobos, c'est quoi? Déjà, c'était ce point de contact qui faisait que l'ennemi avait accès à sa vie. Comme toi aujourd'hui, tu as un nom impur qui fait que l'ennemi a accès à ta vie. Tu es un nom de sirène, tu te retrouves à chaque fois dans l'eau. On fait feu, il n'y a rien. Ce lien de nom-là te lie. Il n'est pas brisé. Or, ce nom a été donné par son grand frère. Son grand frère a regardé sa copine. Ce n'est même pas dans son vrai nom. Il a regardé sa copine. Comme il a aimé sa copine, il a pris ce nom-là, il l'a mis ça sur sa petite sœur. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Tatiana. Et tout le monde dans la personne l'appelle Tati. Pourtant, ce n'est même pas dans son vrai nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On a commencé à prier. Ok, c'est comme un sujet de prière. Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus que ce lien-là soit rempli. Un coup, le Seigneur nous a saisi, Jean et moi. On est arrivé devant la sœur. On ne sait pas ce qu'il nous a appris. On a commencé à faire délivrance. Paf, esprit s'est manifesté. Hein? Là. Feu. Qui es-tu? Par le nom de Jésus. C'est toi, Tatiana. Oh, Tatiana, on n'est pas venu discuter avec toi. Sors! Quitte-la même. On n'est pas venu causer avec toi. Tellement on était énervé. On dit, faut quitter là même. Faut quitter là. Sors d'elle. Et puis tu sors là, tu redonnes tout ce que tu as pris. Ça, on peut faire une fraction de seconde. On n'est pas venu, non, prends, crise, non. C'est long même, peut-être tu nous énerves. Sors d'elle. On a fini. On n'a même pas dit, elle n'a même pas repris. Mais là, la soeur a vu comme une vision où, parce qu'elle avait mis un canari dans son ventre. Plusieurs reprises, elle a prié, mais le canari n'a jamais été cassé. On ne sait pas, c'est Dieu à vous. Mais cette fois, le canari avait été enlevé.
Le démon avait volé son utérus et elle a vu que l'esprit lui a redonné son utérus. Mais on l'a pas loupé. On l'a chicoté, le démon. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de donner garant à tous les démons qui osent habiter un enfant de Dieu. Si on est tombé sur toi, tu vas pas regretter. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quel nom est-ce que tu portes? Gloire à Jésus. Amen. Porte un bon nom. Porte un nom qui émane de Christ. Porte un nom qui vient de Dieu. Et si à la maison, par moment, on a tendance à t'appeler par ce nom qui ne glorifie pas Dieu, il faut avoir le courage de dire que non, moi, ça, c'est un nom qui ne me plaît pas. Moi, je veux qu'on m'appelle comme ça. Moi, on avait un nom qu'on me donnait, un surnom qu'on m'a donné. On appelait, sans, le surnom veut dire mon ami. C'est un Dida, ça veut dire on dit Atia. C'est un surnom qu'on me donne à la maison. Mais j'ai refusé, j'ai dit moi mon nom, vous savez que mon vrai nom c'est Emmanuel. Atia fait quoi sur moi? À partir d'aujourd'hui, tout le monde m'appelle Emmanuel. Et c'est clair. À la maison, tout le monde m'appelle Emmanuel. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne m'appelles pas Emmanuel, je ne te réponds pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc ton nom est, a une grande importance. À cause du nom, tu peux rater l'enlèvement. À cause du nom, tu vas mourir. Ils vont dire non, tu ne peux pas entrer au ciel parce que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Mais Seigneur, moi j'ai chassé des démons, j'ai mis feu. Non, ton nom n'est pas inscrit dans le livre. Comment ça? Mais comment mon nom Apoutchou n'est pas écrit? Quoi? Tu racontes quoi même? Moi, j'ai écrit Apoutchou dans le livre de vie. Faut quitter. Quitte la vie de même. Alléluia. C'était une exhortation que j'avais à donner au prévu du Seigneur Jésus. Et j'aimerais rajouter, pendant ce temps que nous étions en train de prier pour la sœur, vous amusiez Dieu. Dieu a révélé de l'autre côté là-bas. C'est là pour Emmanuel aussi est venu nous expliquer. Mais quand on sache où on prie pour la sœur là, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui révèle que je les ai déjà révélés là-bas. Pendant que nous, on ne savait pas que lui a dit qu'on lui a révélé. Donc chacun maintenant est venu faire son croiseau. Ah, nous on a prié. Ah, de l'autre côté, Dieu nous a dit que Jésus est un Dieu de révélation. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu qui est puissant. Seul est un Dieu qui est vivant. Est un Dieu qui est glorieux. Est-ce que tu peux acclamer ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas rester debout. Nous allons prier le Seigneur, nous allons bénir le Seigneur. Tu vas lever, tu vas mettre les mains comme un signe de recevoir. Et nous allons demander au Seigneur Jésus de prendre contrôle de notre nuit, de nous revêtir de sa grâce, de nous revêtir de sa protection, de nous revêtir de sa puissance. Est-ce que c'est confirmé? C'est confirmé. D'accord. D'accord, donc l'évangélisation des démons soit jamais est annulée. Voilà, donc l'évangélisation aura lieu à Kumasi. Il y aura une évangélisation à Kumasi demain mardi. Ce sera le matin. Donc l'évangélisation à Jamia est annulée. Ce sera pour le mardi suivant. Alléluia. Amen. Donc tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom du Seigneur pour ce moment. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Adonai, Dieu vivant, nous te glorifions. Nous te magnifions. Parce que tu es glorieux. Parce que tu es vivant. Parce que tu es élevé. Comment ne pas te louer, te bénir et t'adorer? Parce que roi de gloire, tu étais présent avec nous. Honneur et gloire te reviennent. Magnificence que soit rendue au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Parce que tu es fidèle, parce que tu es saint, au nom de Jésus. Adonai, nous te disons merci. Élie, nous te glorifions. Parce que ce moment, roi de gloire, tu étais présent et tu as permis que ce message entre dans le cœur et pénètre dans les âmes. Père, il y a quatre terres. Nous prions afin que nous ne soyons pas les trois terres précédentes, mais que nous soyons la bonne terre. Que ce message qui est tombé dans les cœurs puisse au roi de gloire donner du fruit. Et que Saint-Esprit, nous mettions ta parole en pratique. Nous ne vivions pas encore dans tout ce qui ne te glorifie pas. Nous ne marchions pas selon ce qui n'émane pas de toi, selon ce qui ne glorifie pas ton nom. Mais que nous marchions, nous vivions selon la parole de Dieu. Saint-Esprit, couvre-nous par le pan de ta robe. Préserve au roi de gloire notre départ. Préserve aussi notre arrivée. Que nous soyons couverts par le sang de l'agneau. Et que toute attaque qui nous sera destinée soit brisée. Préserve aussi notre nuit. Car comme il est écrit, tu as dit dans ta parole que pour nous les enfants de Dieu, nous aurons des nuits douces et paisibles. Que l'Esprit de Dieu veille sur nous et que notre nuit soit une nuit douce et une nuit paisible. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Amen.